Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Amé de retour sur Minecraft, l'épisode 13. Donc, on s'est arrêté à l'épisode passé, on avait fait quelques petits trucs, mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer sur pour avoir les villageois. Donc, en gros, quand il va y avoir des villageois zombies, on va les transformer en villageois. Donc là, déjà, on va se prendre un peu de bouffe. Tout tranquillou. Donc... j'aimerais ça faire ça ici. Ça va être très simple. Donc là, au pire, on va mettre... Attends une minute. Juste attends une minute. On va aller chercher... On va se faire un peu de torche. Même si, en fait, je sais pas si... Attends. On a ça. Ah oui, c'est vrai, on avait un peu de... Ah ben, on va retirer ça. Ah, c'est vrai, on avait de la bouffe, enfin! Ok. Ah, faudrait aller chercher du charbon après. Donc, toc toc. Ah, puis dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur le nouveau serveur de Steelers. Je sais pas si vous connaissez le YouTuber Steelers. C'est un YouTuber québécois qui est quand même assez connu. Il y a environ 330 000, si c'est pas plus, d'abonnés. Et peut-être faire une vidéo sur son serveur Minecraft, parce que j'ai déjà une petite maison bien sympathique dessus. Donc là, en fait, non, ça... Ok, non, ça veut dire qu'on va creuser. Ici. Donc c'est ça, donc j'ai commencé une maison, une petite aventure bien tranquillou... sur son serveur, puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Ça va me faire excessivement plaisir. Donc là, ici, on va creuser tout ça. Putain, ça nous a fait faire la masse de sable. Et voilà. C'est parfait. Donc là, ici. Je sais pas. Si je vais changer le plancher ici, on le met comment? La question. On va le mettre en cobble pour l'instant. Ah ouais, on va mettre ça en cobble pour l'instant. Et voilà. Donc ça ici. Donc. Donc là, ici. Oh. Ok, c'est là où que j'avais fait ma descente. Ok, parfait. On fera notre descente ici. On va faire environ ça la même grosseur que notre maison. Donc ici, si on en rebouche. Donc, let's go. C'est quoi ça? Ok, c'est du... Ah merde, j'ai pété. Oh non! En fait, les amis, je vais faire une petite ellipse. Je vais aller récolter du charbon et je reviens. En plus, il fait nuit, je vais aller faire un beau dodo. Allez, je vous reprends. Re, les amis, donc, j'ai trouvé un peu de charbon. Pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Donc, let's go. Allons finir tout cela. Donc là, on va pouvoir faire des torches. Et pour éclairer ça un peu ici. Et voilà. Donc là, on va entrer ici. Donc, là, on va faire chauffer. Donc là, il reste un peu de fer à faire chauffer. On va faire chauffer ça ici. Et le reste, on va faire des torches avec. Donc là, ici, j'ai mis le bois. Ici, donc, on va se faire ça, et voilà, parfait, donc là, on manquera pas de touche pour l'instant, là, on va mettre le fer qu'on a miné, donc, let's go, on va continuer tout cela, on va manger un petit coup, et voilà, donc là, on va continuer tout cela, c'est vrai, il fallait que je me fasse
Une pelle. Et puis on va aller de dos en même temps. On va aller faire un gros dodo. Ah, oh, waouh, ça fait beau avec le reflet de la lumière. Et voilà, c'est parti. Donc. Donc là, on a pu. Ok, on va s'en faire d'autres. Un, deux, avec un fer. Attends, on va s'en faire deux. Ouais. On est fou, on est fou. Donc ça, ça. Et voilà. Donc on se fait deux pelles. On n'en manquera pas pour l'instant. Donc ici. Donc on va tout enlever ça ici. On va faire une belle pièce là pour accueillir les villageois. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la table de craft! Je me demandais c'était quoi. Donc, let's go. Ça, on manquera pas de sable, ça c'est cool. Et voilà. Je fais-tu une plus grosse pièce? Ouais. Attends, on va voir jusqu'à où ça va. Pour l'instant, on va mettre ça là. Ok. Donc, ça se termine là. Ok. Donc là, on va tout enlever ça ici. Puis ça, on va enlever ça parce qu'on va changer le mur. Ouais. Puis ça va être la. Ça, on va enlever ça pour l'instant. C'est sûr qu'on voit pas grand chose, mais c'est normal. On va mettre de la lumière après. Je me demande comment. Je sais que le sol, on va le faire en pierre. Mais je sais pas comment on va faire les murs. Attendez. On va aller chercher des blocs tout de suite pour pouvoir donner un peu d'allure à tout cela. Donc, attends, on a quoi comme bloc? On pourrait faire ça, ouais, comme ça avec ça. Ça pourrait être une idée. Ouais, c'est fait comment en haut? Juste voir vite fait. Ah oui, c'est fait en... Ok, c'est bon. Ouais, j'ai une idée, j'ai une idée. On va sortir par là. Voilà. Donc là, ok. Ce qu'on va faire, c'est que... Là où il y a des bûches, comme ça, on va les allonger ici. Pour donner un style. Puis pareil pour l'autre côté. Oh shit, j'en ai creusé un trou. Voilà. Donc là, pareil ici, on va mettre de la bûche. Voilà. Puis là, ça, on va en profiter pour mettre de la lumière ici, comme ça là. Donc on va tout enlever ça ici. Donc on a jusqu'à là-bas enlevé. C'est quand même long. C'est moins long par exemple que si on aurait à miner par exemple parce que ça s'enlève one shot. Vu que juste du sort quasi. Ah merde. Ta 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 ta. Voilà. Donc ça ici. Donc oubliez pas là, si vous voulez, je vais peut-être, je dis bien peut-être, mettre un petit bonus vidéo
du serveur de Steelers à la fin. Parce que ça serait vraiment cool. Je sais pas si vous connaissez Steelers. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous incite à aller voir sa chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à marquer Steelers. Donc, vraiment cool. Son nouveau serveur qui n'est pas officiellement sorti pour le moment, mais qui va sortir probablement bientôt, si je me trompe pas. Donc là, ils sont juste en train de tout en arranger pour que ce soit perfect pour nous, parce qu'ils travaillent tous fort pour avoir quelque chose de bien pour nous autres. Donc, si, c'est quoi? Ah oui, ok, c'est vrai. Ok, donc là, ce que je pensais faire, c'est mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça ici. Donc, on aurait une belle petite salle en bas. Et voilà. Alors, quoi que non, attends, ici, on n'a plus besoin. Ici, on va remettre du sable. Sur les côtés, ouais, gargale, ici, on n'aura pas besoin parce qu'ici, ça va fermer, ici, de toute façon. Donc, on gaspillera pas nos blocs. On va remettre du sable ici. Voilà. Peux-tu mettre une bûche ici au milieu? Est-ce qu'il y a un... Je pense qu'ici il y a un milieu normalement. On va mettre une torche ici. Ça c'est le milieu. Donc ce qu'on va faire un milieu, on pourrait mettre une bûche comme cela. Puis le milieu ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, non. Le milieu il est pas là. What? Oh, si, en fait, le milieu il est là. Qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde là, depuis tantôt. Donc là, ce qu'on va faire ici. Ah, ça c'est la merde. Par contre, on va essayer de faire vite. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on va juste pouvoir descendre tranquillement. Ok, donc là ici, on va mettre le bloc. On va sortir ça comme ça. Se dépêcher pour pas que l'eau. Ah! Je sais pas si on va voir le mur l'autre côté quand on va regarder. Je pense que oui. Bon, c'est pas grave, ça donne un style. Ah, ça, c'est pas grave, ouais. Moi, j'aime bien. Ça donne un style à tout cela. Donc, là, ici. Ah, non, quoi que non. Ah, merde, je pense que j'ai plus de bûches. Oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, ici. C'est pas bien grave, là. On va remplir ça ici. Et voilà, ça fait une petite salle bien sympathique. Donc ici, là, je vais mettre de la roche. Puis oui, on va faire des escaliers, bien sûr. Tout cela, il va y avoir des escaliers, mes chers amis. Donc là, on va enlever tout le sable. Et voilà. Donc ici, ça va être la salle des villageois. On va peut-être pouvoir agrandir ça, faire autre chose, peu importe, là, pour l'instant. Ça va être le premier. Il va y avoir d'autres étages en dessous, je crois. Je ne suis pas sûre. Mais pour l'instant, ça va ressembler à ça. Donc là, on a-tu une pioche? Ouf. On va y se crafter une pioche. On va se faire une belle petite pioche. Donc ça ici. 1, 2, 3. Donc ça ici. Toc. Toc, toc. Donc une petite vidéo détente encore construction, bien sûr, parce qu'on veut avoir des villageois pour avoir plein de trucs sympathiques. Ça serait vraiment cool d'avoir des villageois le fun. Donc là,
On va aller ici en dessous. Donc là, on va enlever ça ici. Donc là, on va pas mettre tout notre pierre. Ça donne un rendu quand même plutôt cool, hein. Moi, j'adore ça. Donc, on va mettre ceci. Et voilà, on change. Et voilà. Parfait! Donc là, il va manquer une petite torche là. Et une petite torche. Non, pas de torche là. On va faire ça comme ça ici. Parce que là, il va y avoir l'escalier qui va descendre. Justement, que je vais faire ça maintenant. On va mettre une petite étape de craft juste ici. Non, pas là. On va la mettre dans le coin. Juste ici. Là, on va crafter nos escaliers. J'en ai peut-être d'un coffre en haut, mais c'est pas grave. On en va vraiment crafter d'autres. Toc, toc, et toc. Toc, et voilà. Donc là, on fait ça comme ça. Donc, normalement, si je me trompe pas, on peut monter en haut. Parfait. Donc là, ici, on a comme notre petite descente. Donc là, on va faire... Oh putain, je pense qu'il... attends, donc c'est quoi que je vais faire? Oui, des escaliers. On va faire des escaliers en roche. Parfait. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc là, ici, regardez bien. Donc là, on va faire... comment qu'on fait déjà pour faire des barrières? Attends. Je crois que c'est comme ça. Oui, parfait. C'est ce que je voulais. Toc. On va s'en faire deux. Ouais, parfait comme ça. Peut-être un peu plus. Donc, peut-être mettons ça, ça, ça. Donc, on va s'en faire un, deux, ouais, trois. On sait jamais. On va peut-être en avoir besoin d'autres. Donc là, ce qu'on va faire, tac, 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 tac. Je vais pas passer la nuit tout de suite parce que, attends, ça on va enlever ça ici pour l'instant. Je vais mettre, attendez, on a encore ça ici, ok. Une minute. J'essaie de faire quelque chose de beau. J'essaye. Donc ça, on va mettre ça en haut, comme ça. Et là, on va mettre les escaliers juste... Ah non, mais pas ça! Donc ça, ici, comme ça, pour faire une petite ouverture. Et là, on va mettre des barrières. Comme ça, là. Et des barrières ici, comme cela. Donc comme ça... Quand on va avoir un zombie qu'on veut transformer, je vais vous expliquer le principe. Donc ça, on va allumer ça, ça, comme ça. Ça ici. Ouais, pourquoi pas. Regardez qu'est-ce qui va se passer, en gros. En gros... Ok, c'est un Enderman. Ok, en gros, aussitôt qu'un zombie villageois va apparaître, je vais l'attirer. Je vais être ici. Là, je vais attendre. Ah, tiens, il y a des zombies là-bas. Ben tiens, gars, je vais vous montrer avec un zombie normal. C'est pas un zombie villageois, là, mais c'est mieux que rien. Regardez bien mon principe. Donc là, j'attends. Le zombie arrive. Donc là, j'attends qu'il arrive. J'arrive ça comme ça. En fait, non, c'est un peu la merde. Et voilà. Non! Merde, ça marche pas! Ça marche pas! Allez, viens. Ah merde, ah là, attends, faut que je m'attends. Non, non, non! Putain, je ne suis pas! Putain. Ok, bon. Attendez. Là, on va buter tout ça, là. Ça va la nuit, quoi! Puis je suis en normal, hein! Mais quoi? Sérieux, pourquoi à chaque fois que je suis en vidéo, j'ai l'impression de pas... D'être nul, quoi. Attends.
Ça va être imparable, là. Ça va juste buter les zombies. Il y a trop de mobs qui se font, puis les creepers, quoi, ils spawnent à côté de nous. Genre le truc pas cool, quoi. Bon, là, on va virer les flèches, là. Oh là là! Donc, attendez. Donc là, on va aller dormir, on va réparer tout ça. Je vais réparer ça en ellipse, de toute façon. On va monter jusqu'en haut, et voilà. Mais les creepers, pourquoi? Il me faudrait des chats, sérieux, pour faire fuir les creepers. J'en mettrais genre des chats partout. Plein de chats. Mais bon, il faudrait un biome jungle pour ça. Ah, puis là, il y a des sorcières. Super. Allez, tu meurs, merci. Bon. Encore un creeper? Vous voyez, il vient de spawn. Je l'ai trop pas vu, lui. Il va vraiment se falloir une épée, là, qui va le violer. Bon. Bon, là, ok. Attendez, je vais réparer vite fait ça, ici, là. C'est quoi qu'il y avait ici? C'était de... Merde, attends. Il y avait de la roche, ici. Comme ça. Voilà. Parfait. Ok, donc là, on va mettre tout notre truc ici. On va boucher ça vite fait. Les dégâts. Je crois que... Dites-moi dans les commentaires, là. Vraiment, là, si on enlève les explosions de creeper ou pas. Je sais que c'est un peu du cheat, là, mais... Ok, j'ai eu l'impression d'entendre des bruits. Des bruits de creeper encore. La fille traumatisée, tu sais. Ok, donc là, je pense qu'il va nous manquer en plus du bois. Ah, relou. Bon, c'est pas bien grave, là, mais... non, en fait, non, ça, c'est pas ça que ça va. Attends, où ma pioche? On va aller chercher ça, des bûches. Mais en fait, attends. Puis là, ici, oh, y a vraiment des trous partout! À l'aide! Donc là... Voilà. À chaque fois que j'essaie de faire un truc, quoi, il y a tout le temps des creepers qui explosent! Allez là, dites-moi dans les commentaires si on enlève les explosions de creepers ou pas, là. Parce que je vais virer folle! Sinon, je peux toujours garder les explosions de creepers pour du challenge, mais ça nous fait tellement perdre du temps. Bon, ok. Donc là, je vais juste aller chercher. Je sais pas si j'avais des bûches dans. Non, j'avais pas de bûches. On va aller en chercher. Non, mais. Toi, tu fermes la porte, merci. Ok. On va aller chercher ça vite fait. Et voilà. On va aller réparer nos dégâts de creeper. Et voilà, bon. Donc là, ça devrait être correct. Oh, on a un gentil Enderman. J'espère pas qu'il a volé un bloc dans nos trucs. C'est quoi qu'il y a dans les mains? C'est un bloc de sable qu'il y a dans les mains? Il y a comme un bloc transparent dans les mains, l'Enderman. Loli lol. Donc, ok. Donc là, on va mettre ça ici. Et voilà. Et ça ici. Et ça ici, je suis pas sûre. Je sais pas s'il y avait une bûche ici. Je pense pas. Je pense que je l'avais enlevé de ma nez. En tout cas, peu importe. Donc, je disais... Mais là, ici, en fait, là, on a trouvé un petit bug, non, avec le zombie villageois. Je sais pas comment je vais faire. Ou à moins que je me fasse mal puis que j'aille le chercher. En tout cas.
Donc là, on va prendre ça. On va mettre ça pareil pour l'instant. On va voir si ça va marcher. Si ça marche pas, bah au pire, c'est pas plus grave que ça. On fera un autre moyen. Ou au pire, on agrandit. Ouais, au pire, on peut agrandir. Ouais, ça peut marcher. Ben, c'est pas grave, de toute façon, on verra bien. Donc là, pour l'instant, le truc est bien fait. Donc là, ici, on va juste enlever ça ici. On va enlever ça, changer ça pour de la bûche. Et voilà, comme ça, c'est mieux. Et voilà. Perfect! Ah, c'est cool. Juste ça, en fait, ça fait un peu bizarre avec la table de craft. On peut même l'utiliser, c'est juste assez drôle. Ok, donc là, pour l'instant, c'est ça. Ça nous fait un truc de plus, de fait. Oh, j'aime bien. Attends, je vais juste rajouter peut-être un truc, voir si ça rend mieux. Comme ça. Ah ouais, ça rend mieux. J'aime ça. Je préfère de loin comme ça. Puis si je fais ça comme ça. Ouais, ça peut rendre bien. Ouais, j'aime bien. Bon, ben en tout cas, ça va être tout pour Oh, en ce moment, l'épisode n'a pas duré excessivement longtemps. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, laissez la masse de pouces bleus si vous avez aimé, si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on enlève l'explosion des creepers, si vous voulez avoir des épisodes spéciaux sur les serveurs de Steelers. Donc, si vous connaissez pas Steelers, je vais afficher le nom de Steelers sur ma chaîne. Puis vous irez voir ses vidéos. C'est vraiment, vraiment cool. Je l'adore, Steelers. Et son serveur, il est cool. Vraiment, là, c'est une belle réussite. Il travaille excessivement fort pour faire quelque chose de bien. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et on se retrouvera à la prochaine. Bye bye! Thank you.